Les deux touches, deux attaques simultanées. C'est intéressant, c'est pas intéressant? C'est intéressant. Et les règles du jeu, vous les comprenez ou pas? Oui. C'est-à-dire? Bah oui. Et toi, t'as bien compris les règles du jeu? Et tu la trouves intéressante ou pas? T'aimerais bien faire des parades? Ouais. Vous êtes tous des compétiteurs? Ouais, alors donc ça vous pose un problème ce type de jeu? Voilà, ok. Et donc il faut aussi le travailler. Vous avez déjà travaillé ces exercices là? Oui, un peu. Un petit peu, combien de séances? Une. Et toi? Non. Jamais. En garde. Bon, allez. Pas de priorité. Oui. En garde. En plus de. Allez, bouge, bouge, allez, allez, allez. Allez les gars, allez. Il faut marquer un temps. On pourrait dire s'arrêter. On pourrait dire s'arrêter. Allez. C'est de zoom quand tu dézooms là-dessus. Là, ok. On va reculer un petit peu là. Va chercher si tu peux t'en faire reculer. On va reculer un peu. Voilà. Te laisse pas faire. Pardon. Halte. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas la même bêtise que tout à l'heure. Hein, c'est dommage parce que c'était bien. Au moment où il monte la main, qui attaque? Oui. Bah, c'est le match, hein. Allez. Halte. Alors, sur la dernière partie, hein, sur la dernière partie. Donc, Anthony commence quelque chose, est-ce qu'il va jusqu'au bout? Non. Qui est-ce qui prend l'initiative d'attaquer? Voilà, c'est Corentin. Donc, est-ce que Corentin a touché au masque? Oui. On donne le point à Corentin? Oui. Ah oui. D'abord 16 ou t'as pas 6 pistes. 1, 2, 4, 4.
Ouais, ouais, poussez un peu, poussez un peu, poussez, avance, avance, avance. Voilà, allez, allez, jusqu'au bout. Bravo, continue. Ah, presque touché, hein. Je crois que tu touches pas en masse. Hein. Si ? Oh, j'ai rien vu. Ça touche ? Alors, ça. Donc, la dernière attaque, c'est en tenant une attaque qui touche pas, et en plus, c'est quand on attaque la part qui touche en masse. Vous êtes d'accord ? Oui, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Qu'est-ce qu'il pense que quand on a touché ? Bon, ouais, j'adore. Hein. D'accord ? Avance-le, avance, avance, pousse-le, pousse-le. Et quand t'es sûr que là, tu y vas. Bravo. Ok, avance, avance, avance. Hein ? Est-ce que t'as le droit de faire une parade ? Non. Interdit la parade. Donc, normalement, alors, voilà. 8, là. Ah, alors. Alors, après, il s'est passé un petit truc bizarre, quand même. Normalement, à la fin, qu'est-ce qui normalement a raison de prendre l'initiative ? C'est Corentin. Sauf que, Corentin, est-ce qu'il fait bien l'attaque ? Non. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a monté la main comme ça, est-ce qu'il a le temps de finir ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il y a Antonin qui l'a attaqué au moment où... Antonin, c'est ça ? Antonin. Qui l'a attaqué au moment où il fait la main. À qui on donne raison ? Antonin. Est-ce qu'on compte le point ? Non. Bon, pas de point ? Contre pas de point, Antonin ? Ah, si. Il a touché au masque ? Oui. Alors ça fait un point de plus pour Antonin. D'accord ? Allez. Ah, qui attaque ? Non. Qui attaque ? C'est Corentin. C'est Corentin ou c'est Antonin ? Antonin. Corentin s'arrête et c'est Antonin qui attaque à ce moment-là à la fin. Vous regardez juste ce qui s'est passé à la fin. Donc on a le point Antonin, ça fait 8. À se terminer, ça ouvre la main. Bravo. This is the Thank you.
C'est combien de temps que tu fais du sabre comme ça? Depuis le début de l'année. Bravo. Ça fait combien de temps que tu fais du sabre comme ça? À peu près depuis le début de l'année. À peu près depuis le début de l'année. Et t'es escrimeur ou pas? Non. C'est la première année que tu fais de l'escrime. Et t'en fais dans le cadre quoi? Du collège? Ouais, au collège. Dans l'UNSS? Ouais. Très bien. Dans l'accompagnement éducatif. Ah, d'accord.